Le centre optique haut d'une lentille correspond au centre géométrique de la lentille. On appelle axe optique de la lentille, noté delta, l'axe perpendiculaire à la lentille et qui passe par son centre optique O. Le rayon lumineux émergent n'est pas dévié quand le rayon incident passe par le centre optique de la lentille, et ce, quelle que soit l'orientation du faisceau incident. Quand un faisceau de lumière parallèle à l'axe optique traverse une lentille convergente, alors les rayons lumineux émergents vont tous se croiser en un point de l'axe optique, appelé le foyer image. Le foyer image est noté F'. Le rayon lumineux émergent est parallèle à l'axe optique quand le rayon incident passe par le foyer objet F de la lentille. Le foyer objet F est le symétrique du foyer image F' par rapport à O. La distance focale notée F' est la distance entre le centre optique de la lentille O et le foyer image F'. La vergence, notée grand C, est l'inverse de la distance focale F'. C est égal à 1 sur F'. La distance focale s'exprime alors en mètres et la vergence, grand C, en dioptrie, de symbole delta.